Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo Zelda Echoes of Wisdom. Donc il sera question ici de faire toute l'introduction, tout simplement, jusqu'au moment où on sort du château. Alors je parlerai pas forcément beaucoup parce que ça se passe de commentaires. Allez, c'est parti! Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à effectuer toutes les actions que vous voyez à l'écran. Et si la chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à celle-ci. Ok, à partir de maintenant, on va affronter un boss. Le pattern est très simple. Soit il nous balance des boules de feu, soit il nous charge. Quand il nous charge, il faut dodge. Quand il nous balance des boules de feu, il faut faire comme si on fonçait dessus, mais l'esquiver au dernier moment et foncer sur l'ennemi, vous allez voir. Là, il nous fonce dessus. On attaque. Et ensuite, il nous balance des boules de feu. On fait comme si on fonçait dessus et on évite au dernier moment, vous allez voir. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Deuxième phase, c'est exactement la même chose. Et voilà. À partir de là, on peut apprendre. Voilà, différents éléments que l'on trouve pour pouvoir les fabriquer. Et donc on peut construire des plateformes. Et là c'est parti pour l'évasion. Il va falloir distraire le garde en balançant une jarre au sol de façon à ce qu'il y aille, et donc on fait diversion. On attend ici. Et voilà, le tour est joué. Ici, on peut mémoriser les arbres.
Ce sont des plateformes très hautes, c'est très pratique. On prend le lit. Et voilà. Là ici on peut couper toutes les herbes avec le mouvement qu'on a pris. Notre premier rubis. On apprend le rocher. Et cela sera très utile. On le pousse. Là, on utilise justement ce fameux rocher parce qu'il est lourd et qu'il va faire couler la caisse. Et là, on saute à l'eau. Nous voici sortis du château. On peut prendre les pierres ici. Là, on voit où on est situé. Alors ce qui est intéressant, je tiens quand même à le signaler, c'est qu'il est possible d'ajouter des balises. Et ça c'est plutôt pas mal parce que si on veut revenir à un endroit spécifiquement plus tard, ben, au moins on n'aura pas forcément à chercher. Si on utilise ce mouvement là, ça ne marchera pas. Ça ne fonctionne pas, on ne peut pas les repousser. Par contre ce qu'on peut faire c'est ça. On le rocher et on le balance sur eux. Voilà. Et là on l'apprend. Du coup, on apprend à faire les ols, donc genre de petits slimes, et on va pouvoir les utiliser bien pour se défendre. Vous voyez, comme un objet, on peut le sélectionner et ensuite l'utiliser. On peut en balancer jusqu'à 3, en tout cas au début. Et ce qui se passe, c'est que si on en sort un de plus que les 3 qui sont déjà, et bien c'est le tout premier qui sera écrasé par le suivant. À présent, on va apprendre ceci. Et pour ce faire, il faut déjà l'abîmer. Alors, une caisse en bois, ça ne marchera pas. Il nous faut de la pierre. Voilà. Pour ça, ça sera très pratique dans pas mal de situations. Même là, en vérité. Et dans l'eau. Il y a des rubis. D'ailleurs, il y a même plus que ça. On peut voir le petit fragment de cœur qu'il faut aller chercher. Voilà. 5 rubis. C'est toujours ça de prix. Déjà, cela nous fait un petit peu d'argent de poche. Alors, il nous faudrait une plateforme ici. C'est pas un problème, on a les caisses qui flottent, rappelons-le. Et voilà. Et là, on récupère notre premier fragment de cœur. Un quart de cœur. Alors oui, effectivement, c'est de ma faute. On peut donc utiliser le lit. Contre cet ennemi-là, il y a quelque chose de très simple, c'est l'oursin. On mémorise. Et ça aussi, ce sera utile.
Là encore, il y a un fragment de cœur. Ne surtout pas le louper. Donc, c'est très simple. Sachez qu'on peut s'agripper à ça. Les blocs, il faudrait les casser. Il suffit de prendre quelque chose de lourd, comme ça. Allez voir. On le fait tomber. Voilà. On le récupère. On en repose un, etc., etc. Et voilà. Et là, on a accès au fragment de cœur suivant. Et pour remonter, bah, tout simplement. Et voilà. Prairie du Sud. Nous voici sortis. J'espère que cette vidéo vous a plu, en espérant qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye.